C'était un samedi noir pour les usagers du marché d'Antokpa. Ces images rappellent l'incendie du 31 octobre 2015. Environ 9 mois après ce drame, le processus de relogement des sinistrés n'a toujours pas abouti. Le DG nous fait comprendre que le tort ne vient pas de lui, que c'est à cause des génies militaires qui disent qu'ils n'ont pas encore fini les travaux et que lui n'a pas encore reçu les clés. C'est pourquoi on ne nous a pas encore réinstallés. Maintenant, on nous fait comprendre que on va mesurer les bâtiments par mètre carré. Le mètre carré, c'est à 10 000, les bâtiments qui sont en bas. Ceux qui sont en haut, c'est 8 000 le mètre carré. Et donc, nous allons payer une caution d'un an avant d'avoir les bâtiments. Nous sommes des vendeuses de petits trucs. On nous dit qu'on va nous envoyer en haut. Qu'est-ce qu'on peut aller vendre en haut? En bas même, c'est difficile même d'avoir un client en ces temps-ci. En plus de ces préoccupations, une partie des ressources mobilisées aurait disparu. Les sinistrés sollicitent l'aide du chef de l'État. Nous avions marché pour exprimer notre mécontentement parce que 500 millions auraient disparu des dons récoltés. Que le président Patrice Talon nous aide à les retrouver. Selon le génie militaire chargé des travaux, l'installation du dispositif sécuritaire explique le retard dans la livraison du chantier. Les boutiques sont terminées. Il y a un problème fondamental qu'il reste à résoudre, c'est celui des dispositifs de sécurité. Là, je vais parler là de la lutte anti-incendie et des problèmes d'électricité. Dans le projet, il est prévu qu'on installe à des endroits précis, après une étude du groupement national des sapeurs-pompiers, des bouches d'incendie, pour qu'en cas de départ de feu, avant même que les pompiers n'arrivent, que le feu soit éteint. À l'étape actuelle, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu le feu, nous, sur place, on a constaté l'existence d'un transformateur de la SB2E qui alimentait toute la zone. Donc le génie militaire a juste fait un devis de branchement de la SB2E que nous avions évalué à 100 millions de francs CFA. Il s'est fait que quand nous avons fait appel à la SB2E pour réaliser les travaux, c'est vrai, on ne les a pas consultés avant de mettre notre prix, ils ont fait un devis de 450 millions de francs CFA. 4,5 fois ce qui est prévu. Ça demande des moyens supplémentaires que l'État a mis en place. Le problème après, c'est que ces ressources qui ont été mises en place au génie militaire étaient logées au trésor public. Mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas encore entré en possession de ces fonds-là. Moi, j'ai déjà eu toutes les assurances. J'ai raccordé le ministre des Finances. Ils m'ont dit à rassurer que les fonds seront mis en place. Je crois que incessamment quand même, ces travaux seront exécutés et les gens pourront avoir accès aux boutiques. Interpellé par rapport à la dimension des boutiques, le génie militaire rejette les accusations. C'est le génie qui détermine les dimensions des boutiques. L'assouvissement nous a donné les dimensions d'une boutique type. Même nous aussi, au départ, on a tiqué. L'assouvissement nous a rassuré que c'est ça ou rien. L'assouvissement nous a dit qu'ils font plus de 800 personnes. Donc pour loger les 800 personnes, il faut trouver des dimensions qui correspondent à la surface disponible. Toutes nos tentatives pour rencontrer le directeur général de la SOGEMA ont été vaines.